Ma maison est propre, le poulet mariné au four, mes locks sont shampoignés et sont en train de sécher. Je peux m'adonner à mes activités récréatives de prolétaire moyenne. Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Je vais bien, même si la vie me boxe comme ça, moi aussi je me débats, je ne me laisse pas faire. Voilà, j'espère que vous aussi c'est la même chose de votre côté. Sur le point personnel, beaucoup de choses ont changé, beaucoup de choses ont changé. Alors la dernière fois que je suis venue parler, en tout cas les dernières fois où je suis venue parler ici, c'était sur un projet d'achat immobilier pour lequel je devais remettre mes finances personnelles en ordre, d'où le challenge 3 mois sans découvert. Depuis, les finances sont en ordre, plus ou moins. Je suis une adulte responsable à présent sur ce sujet-là. L'appart a été acheté, l'appart a été construit sur un temps plus ou moins long en ressenti. Je me suis installée dans cet appart, ce qui est un défi parce que je suis passée d'un appart un peu plus grand à un appart plus petit. Défi au niveau de la gestion de l'espace, défi au niveau de l'ameublement. On pense souvent qu'on est grand. On se dit oui. À l'époque, on se disait oui, je veux avoir ma maison, je veux être indépendant, je veux. Vous avez déjà acheté des meubles pour meubler tout un appart. Vous avez déjà payé des ouvriers pour faire construire une cuisine. Seigneur, soyez prêts. Cherchez votre argent et soyez prêts. Donc, déménagement, etc. Donc, aujourd'hui, tout se passe bien. Sur le plan professionnel, j'ai changé d'entreprise, je suis dans une autre entreprise. Dans le contenu de mon travail, je fais même des choses totalement différentes de ce que je faisais avant. Donc ça aussi, beaucoup de défis, apprendre des choses tous les jours, motiver les cellules de son cerveau pour comprendre. Mais ça se passe bien aujourd'hui. Plan personnel, beaucoup de choses. Je me suis mariée, ça se passe bien. J'essaye de garder une vie sociale avec mes amis, ce qui n'est pas évident à l'âge, aux âges qu'on a là, avec des agendas bookés, 3 mois en avance. Mais voilà, tout se passe bien. Globalement, ça va dans ma vie, ça va. J'espère que vous allez bien aussi, que vous avez emmené certains projets à accomplissement, que vous travaillez sur d'autres projets en ce moment, et je vous souhaite beaucoup de courage pour ça. Et que dire d'autre? Voilà, ce sont ça, les nouvelles. Ouais, ce sont les nouvelles. Bon courage, la vie est dure, fais de ton mieux. Voilà. Alors, avec la vie qui change, évidemment, je n'ai plus vraiment les mêmes centres d'intérêt, dans le sens où ça ne prend plus une place incroyable dans ma vie. Donc, ça va être difficile que je revienne ici, et ça a été le cas d'ailleurs. Que je revienne ici pour parler longuement de routine capillaire, de produits, de revues de produits, Voilà, ça peut arriver, mais c'est plus quelque chose qui prend beaucoup de place dans ma vie, donc ça va être difficile de vous en parler longuement aujourd'hui. Ce qui fait que cette chaîne va être juste une chaîne lifestyle. J'ai quelque chose à dire, je viens dire. J'ai un voyage où j'ai pris des images et je sais qu'en compilant, ça va faire une vidéo de plus de, je sais pas, 8-10 minutes. Évidemment que je ne peux pas la poster sur Instagram ou TikTok, etc. Donc, je viendrai ici la mettre. J'ai un sujet chaud sur le cœur où je sens que je veux bavarder longtemps. Je vais venir ici, mais c'est plus une chaîne uniquement beauté. C'est plus, voilà, ce qui va venir, va venir. Et puis, il n'empêche que, comme j'ai dit, je peux encore disparaître. Donc, venez, prenez-moi comme une petite sœur. Prenez-moi avec beaucoup de bienveillance, gardez votre cœur ouvert. Pour le sujet que je vais aborder aujourd'hui, je n'ai pas un commentaire composé avec une liste de conseils à vous donner. Ce sont juste des questions pour ouvrir peut-être la réflexion de votre côté, qu'on puisse en discuter dans les commentaires si vous le souhaitez. Parce que la vie d'adulte dans laquelle on vit là, on apprend sur le tas. Il n'y a pas de mode d'emploi. Parfois même les parents ont peut-être du mal à partager leur expérience. On apprend sur le tas. Soit c'est notre expérience personnelle qui nous enseigne, soit c'est celle des autres.
Donc, mélangeons tout ça et apprenons ensemble. Alors, le sujet, c'est le sujet du grand départ des parents. Certains l'ont déjà vécu, mes condoléances. Pour d'autres, c'est une échéance qui approche. Elle est inéluctable, ça va arriver. C'est difficile d'en parler, c'est un sujet sensible, mais ça va arriver. Est-ce que c'est quelque chose dont vous avez déjà parlé avec vos parents? Est-ce que vos parents sont ouverts à cette discussion? Je sais que certains parents, une fois que tu veux déjà commencer, te disent « Oui, pourquoi tu parles de mort? Quoi? Tu veux déjà me tuer? Je ne suis même pas encore partie. Tu veux déjà parler d'héritage? Machin. » Non. Non, je ne veux pas te tuer. Je ne veux pas que tu meures. Mais ça va arriver. Et quand ça va arriver, quelles sont tes dernières volontés? Comment tu t'es préparé, en fait? Certains vivent... qui vont écouter et voir la vidéo. Certains vivent au pays, d'autres vivent en Occident. Je sais qu'en France, c'est un sujet important parce que quand une personne décède, si elle laisse des biens immobiliers, des biens financiers, etc., l'État est aussi héritier. L'État français aussi hérite. Après, le pourcentage est plus ou moins haut. Qu'est-ce qui est prévu dans la succession? Comment les choses vont se passer après administrativement. Je ne vais pas parler du côté émotionnel, psychologique, de la perte d'un parent, juste cette partie-là, déjà administrative, parce que quand tout est prêt en avance, on a plus de... C'est peut-être plus facile de prendre le temps de pleurer son parent plutôt que dans l'urgence, devoir gérer notre cœur et devoir gérer aussi les papiers, en fait. Donc en France, faut le préparer. Il y a des possibilités. Est-ce que le parent a une assurance, prévoyance, garantie, obsèques, décès, etc. Quels sont les bénéficiaires qui sont visés? Comment cet argent-là va être utilisé? Il faut se renseigner dessus. Pour ceux qui sont au pays, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la famille qui a été désigné pour parler de tout ça, qui est au courant des choses? Est-ce qu'on est au courant de tous les biens éventuellement que la personne a, comment, est-ce qu'il y a un notaire huissier qui a été désigné pour faire appliquer un testament, est-ce qu'il y a un testament, tout ça en fait. C'est difficile d'en parler, mais il faut en parler parce que on a entendu des histoires, ou même parfois ce sont nos parents qui viennent, qui rentrent peut-être d'un deuil d'un de leurs collègues, etc. Et puis ils vont parler, oui, c'était vraiment un homme ou une femme, peu importe, vraiment battant, il a travaillé pour ses enfants, il a les maisons, et puis quand il est parti, les gens sont venus spolier la veuve et l'orphelin, etc. Est-ce que ce sont des histoires qu'ils racontent comme ça, comme une fiction qui arrive aux autres, ou est-ce qu'eux-mêmes se préparent par rapport à leur propre départ, pour ne pas que les survivants vivent ça ou pas? Compliqué. Dites-moi en commentaire comment ça se passe pour vous, sans rentrer dans les détails intimes, on va dire. Mais est-ce que c'est déjà une question qui a été abordée? Est-ce que c'est flou encore pour vous? Est-ce que c'est clair? Quelles sont les options? Je ne sais pas comment ça se passe dans différents pays. Voilà, mais c'est une question à poser, c'est une question à mettre sur la table. Récemment même moi, et d'ailleurs la question se pose pour nos parents, mais pour nous-mêmes aussi, de se poser la question, est-ce que j'ai un testament? Là pour le coup, moi j'ai un appartement. Est-ce que j'ai un testament? Est-ce que j'ai prévu le testament? J'ai découvert récemment qu'en France, du moins, il y a un mandat de protection future qu'on peut signer pour soi-même. Par exemple, dire quand si quelque chose m'arrive et que je ne suis plus en mesure de prendre des décisions, ou voilà, je veux que ce soit telle personne qui s'occupe de ça. Imaginons vous êtes célibataire et puis vous vous retrouvez dans une situation malheureusement où vous êtes en invalidité totale ou partielle, qui va s'occuper de vous? Si vous avez des enfants et que les deux parents s'en vont, qui s'occupe des enfants? Est-ce que vous avez désigné quelqu'un? Est-ce que c'est notifié? C'est pas quelque chose qui doit être fait. Le mandat pour protection future, c'est pas forcément fait devant un notaire, de ce que j'ai lu, mais est-ce que les choses sont désignées clairement ou... Voilà, les questions de la vie d'adulte qui donnent mal à la tête. Vous voyez que je ne peux pas venir ici vous parler tous les jours de la skincare, alors qu'il y a ces sujets-là qui sont dans ma vie, vous voyez.
Donc voilà, si vous voulez, on peut en discuter dans les commentaires. Et puis, moi, je pense que je vais tourner une autre vidéo après. Oui, pendant que je suis motivée, je tourne des vidéos. Parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais. Je peux encore disparaître. Donc, pendant que j'ai l'énergie, je tourne des vidéos. Une autre vidéo qui va traiter de totalement autre chose. Et si vous me voyez habillée de la même manière, c'est que c'est le même jour. Voilà, comprenez ça comme ça. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je vous souhaite un bon week-end, bonne soirée, bonne journée, selon le moment où vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à plus.